jardin de mariée toujours embêté par son souci de voûte plantaire, une tendinite au niveau d'un muscle profond. Donc lui sera inopérationnel encore ce week-end. On fera un point début de semaine prochaine pour voir ce que c'est lui qui nous donne le tempo avec la douleur. Wesley Lotoa fait un test samedi parce que peut-être que sa blessure au quadri est peut-être moins importante qu'on pouvait le penser. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est à peu près tout au niveau des blessés. J'ai bien aimé l'implication des joueurs sur la préparation, donc je sais que ceux qui seront sur le terrain samedi seront prêts. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Un peu d'impatience depuis le début de la semaine. Se préparer c'est bien, jouer c'est mieux encore une fois. Mais oui, une forme d'impatience. On a hâte que la saison 4 de Dijon Ligue 1 débute avec son épisode 1. La saison 3 était douloureuse. Donc je pense que tout le monde est impatient. Comme devant les séries Netflix pour voir la nouvelle saison débuter. Écoute, je trouve que c'est bien, pour lancer la saison, recevoir un Européen, un club mythique, un club qui aura aussi peut-être des soucis de préparation, ou de, on va dire, de, c'est peut-être pas encore un effectif totalement rodé, donc c'est peut-être aussi un bon moment de les prendre. En tout cas, on compte bien les bousculer samedi soir à Gaston Gérard. Non, on avait souhaité qu'il soit renouvelé pour stimuler toutes les lignes, stimuler tout le monde, donc là c'est le cas. En nombre, on est beaucoup moins important, mais c'est aussi une volonté du club. Donc ça c'est important. Par contre je crois que les 4 recrues dont je vous ai parlé au tout début apportent vraiment une réelle plus-value au groupe. C'est des profils qu'on n'avait pas l'année dernière à Dijon, donc j'ai hâte d'aller voir. Et la bonne nouvelle, ce sont des joueurs qui rendent les autres meilleurs. Donc ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ils bonifient le niveau de leurs partenaires à côté. Alors pour en venir effectivement au niveau de l'équipe, le groupe sera très très jeune ce week-end. Il y aura des joueurs sur le banc. Qui ont une vingtaine d'années, tout juste. Donc, les 11 de départ afficheront un niveau Ligue 1. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai vu des choses intéressantes, notamment avec un bloc plus bas et un jeu en contre, qui n'existait très peu à Dijon. J'ai eu plus de contre-attaques en un match qu'en 5 ans. C'est lié au profil de joueurs qu'on a recruté aussi. Parce qu'on a Mama Baldé, effectivement, qui défend les espaces. Et on remet un petit peu Gio Tavares dans le sens de la marche, c'est-à-dire en déplacement vers le but adverse. D'un seul coup, ça devient très très intéressant. Donc ça, c'était un enseignement du Mathieu de Vauvert, comme d'autres associations au sein de l'équipe qui m'ont bien plu. Écoute, plus naturellement du monde, j'ai un match à diriger samedi soir. J'aurai peut-être un petit pincement au cœur en montant les 5 marches qui amènent au tunnel, mais après, effectivement, je serai rattrapé par la gestion du match, tout simplement. Mais je l'aborde avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'envie aussi. Eh bien écoute, je pense que je prendrai une décision définitive lorsque j'aurai un groupe un peu plus étoffé. Pour samedi, ça pourrait être qui? Ouais, c'est pas un gros secret. Non, c'est pas un gros secret. Écoute, t'as les anciens, t'as Tavares, Balmont qui sera pour la Tavares, Amalfitano. J'ai aussi Bruno Ecolemanga qui arrive avec beaucoup de personnalité, ouais. Et puis pourquoi pas lui. Mais voilà, ça peut jongler sur tes trois. Il y a Fred Samaritano qui aussi peut postuler aussi, s'il vient débuter. Mm-hmm. Donc voilà les anciens Dijonais qui sont à plus de moment, ou pourquoi pas un garçon comme Bruno avec son vécu, et puis je trouve quelqu'un qui rayonne naturellement, pourquoi pas, je m'interdis rien. Moi je trouve que mon équipe court beaucoup trop, et moi je voudrais qu'on court beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a des zones à défendre pour chacune des lignes, et je trouve qu'on s'éparpille un petit peu de partout, et ce qui de l'extérieur des fois donne un sentiment de panique, et j'invite mes joueurs à en faire moins pour être plus efficace.